Salut tout le monde. Hey. Oh. Ouais, en plus, ça, c'est bien, ça accompagne. Comme Never Again. Ouais. Émission spéciale aujourd'hui, donc nous sommes le mercredi 13 mars. Émission très importante. Spéciale Donkey Kong apparemment. Ouais. De très loin, on l'a entendu, mais. Ouais. Donc émission spéciale sur The Legend of Zelda. Yes. Qui est quand même c'est la licence qui compte le plus tous les deux, je pense. Ouais, hein, je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. Ouais. Donc, émission spéciale de Legend of Zelda pendant 2 heures. N'hésitez pas à nous faire signe sur Twitter si vous avez des requests. On essaiera d'interagir avec vous. Oui. Et voilà. Est-ce qu'on fait le descriptif de Figaro maintenant ou on attend un petit peu ? Non, on va y aller maintenant. On y va sur les infos un petit peu quand même. Expliquer un simple, peu. Miyamoto, milieu des années 80. Tout à fait. Il est sur la Famicom, il se dit wesh, je ferais bien autre chose que Super Mario Bros au final. Et donc là, du coup, forcément, il a eu l'idée de faire Legend of Zelda par rapport à toutes ces petites balades qu'il faisait quand il était gosse. C'est ça, c'est un peu une réminiscence. C'est ça, c'est exactement ça. De toute façon. Et où est-ce que j'en étais ? Il a toujours voulu créer un truc plus consistant au final que ce qu'il avait fait avec Super Mario Bros. C'est là que Zelda lui est venu en tête, tout simplement. Mais il voulait faire une histoire, en fait. C'est ça. Mais à la base, ça aurait plus été un roguelike actuel. C'est-à-dire que genre, avec un encheminement de niveau de donjon, mais pas généré directement par la machine, mais du coup par le joueur qui joue avec l'autre. Tu vois ce que je veux dire ? Yes. Et pour le nom Zelda, ça, je l'ai appris hier, pour le coup, parce que je ne savais pas. Ah oui, la petite anecdote, ouais. Que c'est le nom de la femme d'un écrivain américain, par rapport à sa beauté éternelle et fatale. Ouais, Zelda Fitzgerald. C'est ça, exactement ça. C'est beau quand même, tu vois, parce que... C'est plutôt joli. Littérature, tout ça. C'est plutôt joli. Ouais. Mais là, ce qui nous intéresse au final le plus, c'est quand même l'histoire de Koji Kondo, mais on y reviendra un peu plus tard. Sur la Link to the Past. C'est quand même lui qui a tout composé, en tout cas tous les thèmes majeurs qu'on connaît de Nintendo, en fait, pas que Zelda au final. Ouais. Donc, on en reparlera plus tard. Voilà, donc dites-nous si vous êtes verrouillé sur Rins France. Hashtag verrouillé. Yes. Thank you.
c'est clairement le plus beau thème de toute ma life, je pense, clairement. Ouais, il est... Ce moment où Marine et Zelda sont sur cette plage. Ouais. Ce petit travelling comme ça, là. Ouais, c'est très fort, c'est simple, mais... C'est trop efficace. C'est trop efficace. Et donc, du coup, là, forcément, on a ouvert avec l'OST de Link's Awakening. DX. Bah non, c'est, en fait, c'est la même OST, c'est juste que DX, c'est la version Game Boy Color c'est avec un stage supplémentaire, justement, lié aux couleurs. Yes. Et du coup, c'est complètement d'actualité, vu que dans le dernier Nintendo Direct, ils ont annoncé la réédition de ce jeu. J'étais complètement comme... Ça n'avait aucun sens, j'ai hurlé chez moi. Donc. Ça va être sûr, mais. Ça va être de la frappe. J'espère que la réédition orchestrale des morceaux sera aussi jolie que la version 8-bit, mais je me fais pas trop de soucis là-dessus. Déjà, rien que le thème du trailer était, était beau. Était super cool. C'était beau, ouais. Il était super cool. Thank you.
Alors, on est dans quoi ? Bah là, on vient d'arriver donc sur Adventure of Link, du coup Zelda 2, mais on vient de passer donc juste avant l'OST, les thèmes principaux de Zelda 1, donc le premier qui est arrivé sur Famicom. Yes. Et là, du coup, ce track-là, logiquement, si t'as joué un tout petit peu à Smash Bros Melee, léger. Normalement, il te dit un truc. Ouais. Dans l'idée. Non, il a vraiment été réutilisé à mort sur le Château du Rhule, surtout sur Melee. C'est ça. Et vu que c'est un stage que tout le monde s'est frité fort dessus. Normalement, il parle à tout le monde ce thème. Mais réorchestré, du coup, ça a quinte à sens, on se rend compte de la puissance. Mais gros chapeau à Koji Kondo qui arrive à faire des compositions aussi folles harmoniquement, déjà juste avec un logiciel chiptunes pour NES, donc c'est quand même relativement cool. Tout à fait. Voilà. Thank you.
bon bah là on rentre sur des thèmes relativement classiques. Ouais, alors c'est quoi la particularité pour bah là, toi, on est sur Link to the Past. Bah c'est vraiment, je pense, le premier épisode qui a marqué tout le monde grâce à la 16 bis, à la SNES du coup forcément. Donc l'histoire était beaucoup plus longue déjà, il y avait le Dark World et tout ça. Ouais. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que Koji Kondo a créé tous les thèmes récurrents à la série qui sont devenus cultes au final. Ceux qui ont vraiment été repris au fur et à mesure de tous les opus de la saga jusqu'à encore aujourd'hui. Là, on a pu écouter le Kakariko Village qui se retrouve aussi sur l'épisode Ocarina of Time. C'est ça. Donc, des titres classiques quoi. C'est ça. Petite partie très très rapide, c'est juste pour dire que ce sample a été utilisé par Hamza sur la Santa Sauce Tape qui est sortie sur SoundCloud il y a 2 ans. Voilà! Thank you.
Donc là, on est sur quoi, Sam? Oracle of Season, qui est combiné forcément à Oracle of Edge, créé en association avec Capcom, donc c'est une première surtout pour l'époque. Et yes. C'est vraiment deux jeux très très cool que je conseille à tout le monde. Ouais. C'est pas une suite directement logique de Awakenings, mais ça s'en inspire, mais c'est vraiment plus... Il y a un côté archi ésotérique par rapport, tu sais, justement, au temps qui passe, aux saisons et tout, c'est vachement cool. Achetez-les, bien sûr, n'émulez pas, c'est pas bien l'émulation, voilà. C'est vraiment beaucoup trop beau. Et nous sommes sur le morceau Tarm, Rains and the Lost Wood. Thank you.
Alors, il y a eu pas mal de changements là. Oui, on a arrêté la chiptunes. On a eu pitié un peu de vos oreilles quand même. On est quand même. Ouais. Parce que c'est vrai que je précise, mais c'est là où on se rend compte que ça reste. C'est super beau. Alors que, ouais. Comme on pourrait partir du principe que les synthés sont ultra. Non, mais ce qu'il faut dire, c'est ça le problème. C'est qu'à l'époque, les moyens techniques, ça voulait rien dire du tout. C'est n'importe quoi. Ouais. C'est assez incroyable. C'est juste que Koji, il était genre trop chaud. Mm. Je sais pas. Il a la tête. Passer une émotion avec si peu de moyens, c'est incroyable. Moyen, c'est incroyable. Ouais. C'est ce que t'avais à dire, mon kiki ? Ouais, ouais. Thank you.
Donc là, c'est le thème principal du jeu The Legend of Zelda Spirit Tracks. Jeu que je n'ai pas fait car je n'aime pas être conducteur de train en fait, simplement. Ouais, et en fait, en vérité, moi je l'aime quand même parce que j'y ai pris vraiment du plaisir quand j'y ai joué. Après, c'est vrai qu'on a l'inverse des épisodes des autres Zelda 3D où t'as une espèce d'ivresse de l'espace. Même par rapport à Phantom Hourglass qui est sorti sur la même plateforme, enfin sur la même console du coup. Ouais. Je sais pas, ça m'a pas saucé de ouf. Hein. Mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même des très beaux morceaux. Et l'univers était quand même sympathique. L'histoire, en gros, bah oui, t'es un conducteur de train qui va chercher ton diplôme à Hyrule et ça y est, ça part en couille. voilà. Mais donc là, c'est le morceau principal. Overlord Adventure. Exactement. Donc vraiment voilà. Le thème principal. L'aventure, quoi. L'aventure. Ok. Peu de choses à dire au final. Ouais, franchement, mec, c'est dur. J'ai rien à dire. Tout le monde se revoit sur Epona. Tout le monde voit cet écran inquiétant. Que va-t-il se passer dans cette aventure folle? Mais oui. Première aventure 64. C'est certainement moi mon ouverture de jeu préféré. Je suis assez d'accord. On vous laisse profiter. Thank you.
Eh ben, bisous Papou qui est verrouillé. Grave, verrouillé Jean-Marie, toujours. Ah ouais, parce que c'est quand même toi. C'est quand même le best. Qui nous a acheté ce jeu. Bisous. Thank you.
Alors, là, on a un peu changé d'ambiance quand même. Ouais. Un peu plus mature, un peu plus sombre, un peu plus énigmatique au final. Celui qui obsède beaucoup. Mais je crois qu'en fait, genre après Ocarina of Time, tout le monde était tellement saucé, donc ils ont tous voulu faire Majora's Mask. Mais au final, tout le monde a été, je pense, dépité par ce jeu tellement il était dur en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de gens à la première lecture qui l'ont pas fini, qui l'ont fait plusieurs années après. Non, on en parlait tous les deux, mais c'est vrai qu'en fait, ce fonctionnement des trois jours a déboussolé. Ouais. Beaucoup de monde. Au final, c'est archi cool, hein, mais ça déboussolait complètement le joueur et c'est en soi c'est une réussite. De ouf. Parce que je pense, moi je pense quand je l'ai eu, je devais avoir 11 ans. Mm-hmm. Je suis resté Keblo au même endroit pendant 5 ans. Normal. Et après, j'ai utilisé ce qu'on appelle une solution. Et oui, solution papier, la vraie vie. Thank you.
Yes. Donc le premier opus et ben le premier opus GameCube du coup, Wind Waker, Cell Shading. Oui. Tout le monde a fait ouh là là le Cell Shading, en fait c'est vachement mignon, j'aimais bien moi. Tu courais après des petits porcelets, enfin on était bien quoi. Ouais, t'as kiffé. Bah j'ai bien aimé le départ comme t'as dit. Après moi le reste de l'aventure en elle-même c'est pas forcément quelque chose qui m'a saucé. Le côté aventure bateau et tout, ouais je trouve qu'il y avait un vrai délire d'évasion. Mais ouais. Après il m'a pas chopé comme tous les autres. Tout à fait. Et ce qui est bon de savoir, c'est quand même avant, on a quand même passé Majora's Mask. Oui, bah oui. Qui du coup contraste très fortement avec cet épisode. C'est l'opposé, je pense. Hein. Et l'opposé, ouais. Ouais. Tout à fait. Donc voilà, nous sommes dans The Wind Waker.
Big up Charlo. Ouais, courage, big up Charlo. Courage fort. Donc tout de suite on est dans l'OST du jeu Skyward Sword. Skyward Sword, chouing. Jeu que je n'ai pas du tout fait. Bah, non, pour des raisons de console, pour des raisons d'envie, parce que c'est vrai que les graphismes m'avaient paru... je sais pas, ils me séduisaient moins. J'étais trop sur Steam à cette époque-là, moi, je jouais plus sur les consoles. Ouais. Par contre, donc là, le morceau qu'on passe, c'est Bamboo Island, le très beau morceau Bamboo Island, c'est qui a été requesté par pas mal de mon entourage. Trap Prefix Incoming. Thank you.
Bon, là, ça, on va plus se laisser parler, Kiki, parce que moi, je l'ai pas encore fait. Donc, Ah ouais, ouais, c'est vrai. Donc là, on va tout de suite, on est sur The Legend of Zelda Breath of the Wild. Et oui. Donc, le dernier sorti oui, sur bah, la oui. Switch. Qui, pas je que trouve, sur la Switch, pas que sur la Switch, si t'as envie d'être, d'être tatillon. Et qui reste fidèle à ses premières, à ses valeurs premières, je sais pas comment expliquer. En même temps, il y a beaucoup de changements dans, dans ce mais jeu. Mais dit, et en même temps, ils mettent en, on dirait que c'est le Zelda qu'ils ont toujours voulu c'est ça. Faire. Il depuis est archi, les il est archi contemplatif, hein, genre ils ont vraiment réussi quasiment tout à tout niveau. Faut que je le fasse. Après, moi, c'est juste le monde ouvert qui me bloque un peu. Ouais. Mais l'OST, elle est vraiment super. En fait, le contre. Monde ouvert est, un deuxième, est une deuxième manière de jouer. Ouais. On va dire qu'il y a l'histoire. Et après, il te reste tout à découvrir et à bouger, quoi. En fait, c'est un jeu. Il y a une trame narrative qui d'ailleurs m'a un peu moins parlé, mais c'est vrai que le monde ouvert fonctionne très bien, quoi. C'est clair. Tu te laisses surprendre à te balader, à te perdre, en fait. Tu te perds dans le monde, il est immense. Mais gros taf de Koji, même si forcément c'est un jeu qui a été oui. orchestré, mais... Beaucoup c'est de là piano. Tu, c'est là où tu vois vraiment l'évolution de la chiptunes de la NES à, ouais. à ça maintenant, tu vois. Ouais. Mais toujours avec ce... Il a toujours ce côté mélancolique permanent. J'aimerais bien lui parler un Spec 54. Bon, je parle pas japonais, mais bon. Ça va être dur, tu peux lui parler avec un piano peut-être. Exactement. Thank you.
Donc le morceau Guéru d'automne, mais attention, c'est le thème de la nuit, parce que c'est ce qu'ils ont fait dans Breath of the Wild, ils ont fait un thème jour et un thème nuit. Et du coup je l'ai découvert hier, bien sûr, et je l'ai écouté déjà au moins 15 fois cette saloperie. C'est bien. Ça, est vraiment trop bien. Ça me fait c'est ça qui m'a inspiré l'intro, enfin c'est ça qui m'a fait genre vraiment trop 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 beau morceau. C'est digne de pas mal de, je sais pas, ouais, moi, non, moi ça m'a fait penser à, j'aime pas comparer, mais il y a dans le road un peu comme ça, langoureux, ça m'a fait penser un peu même à la nappe derrière, tu sais, le sound string comme ça là, vraiment aigu qui sonne, enfin je sais pas, vraiment super beau comme thème. Il y a quelque chose d'ultra pur. Ouais, de ouf. Thank you.
qu'on va se quitter avec le Ateno Village, le thème, donc qui est un village en fait. Je pense que c'est le village le plus bienveillant du jeu. Le thème le renvoie de toute façon. Ouais, et c'est le, en fait, c'est donc un village où tu te reposes, c'est là où tu achètes ta baraque, c'est là où tu achètes beaucoup de choses. Et ton stuff de base en fait avec les armures et tout. Donc il y a un côté très warmy dans ce village. Et ça s'entend dans ce morceau. Complètement. Voilà. Donc on va vous dire au revoir, j'espère que l'émission vous aura plu. Ouais, que la Selecta aussi, car c'était quand même une bonne galère de réussir à faire tenir tous ces OST en deux heures. On a pleuré hier soir. Ouais, un petit peu. Un petit peu. Et ouais, n'hésitez pas non plus à rejouer à vos Zelda, à en découvrir de nouveau. Sans émuler, évidemment, parce que l'émulation, c'est... C'est un jeu qui fait du bien en Zelda, en fait. Faut se laisser aller et tu joues et ça devrait passer. C'est vrai. Et je mettrai toute la tracklist, comme d'hab, sur mon Facebook. Deline Musique Cooler King. Ça c'est pour Twitter. Voilà, des bisous. Bisous.